Alors, tu n'as que l'argent à la bouche. Ça aussi, les gens ont remarqué. Ouais. Makoso ne parle que d'argent. Ouais. Pourquoi Makoso ne parle que d'argent? Makoso ne peut pas passer son temps à peut-être essayer d'édifier les gens. Édifier en comment? Pourquoi vous êtes hypocrite? Nous sommes dans un pays PPT. Un pays pauvre, très endetté. Très endetté. Dont on n'a rien. Donc, le seul sujet des Ivoiriens, ça doit être quoi? Non, c'est pas forcément l'argent. Attends d'abord, on est allé doucement, doucement. Il y a des pasteurs qui parlent de sanctification. Si nous tous là, quand tu regardes le corps médical, est-ce que tout le monde est chirurgien? Non. Est-ce que tout le monde est dentiste? Makoso parle d'argent. Si toi t'es fâché, il fallait parler de pin et de con. Si toi t'es fâché, il fallait parler de travail. Si toi t'es fâché, il fallait parler de sanctification. Ma spécialité, c'est comment prendre un abruti qui est couché à Bobo Longo Longo là-bas pour faire du lien homme riche. J'ai les codes, les techniques, j'ai les secrets pour ça. J'ai les 5 cheminements. Tu mets ça en pratique, l'argent est obligé de te suivre. Mais pourquoi on prend le soin de m'aider? On dit les pasteurs aiment l'argent, que nous prenons l'argent. T'as dit les gens qui viennent à l'église, c'est des gens pauvres. Mais si un pasteur a le pouvoir de prendre, faire sortir dans la pauvreté dans l'argent, c'est qu'on doit nommer le pasteur ministre de l'économie et des finances. Il va faire sortir l'argent de ce pays. Voilà. C'est quand ils vont sortir ça de la poche des gens, ça te met dans leur poche en fait. Non, s'il a le pouvoir de faire sortir, donc nommez-le alors. La thèse, elle est fausse. Ma spécialité, j'aime parler d'argent. Parce que l'argent est doux. Une femme, elle t'aime pas. Mais quand elle sent que tu as l'argent, elle te fait des yeux doux. L'argent permet à ce que dans la famille, quand tout le monde n'est pas d'accord, quand toi tu parles, tout le monde dit c'est vrai. Le pauvre n'a pas de droit. Le pauvre a toujours tort. La pauvreté n'est pas une bonne chose. On dit Makoso parle d'argent. Donc vous aimez la pauvreté? Qui n'aime pas l'argent? Même Dieu dit loi et l'argent m'appartient. Il n'y a pas super marché au ciel. Le vieux peut faire quoi tout le pognon dans le ciel? Le guerre là, il fait quoi ça? Moi, c'est sur la terre, on a besoin de ça. Donc il faut une spécialiste de d'argent qui va venir chasser l'esprit des jeunes pour vendre des pommes. Parce que les blancs, l'évangile qui nous ont amenés, c'est un évangile pour nous rendre pauvres. Le roi belge disant aux missionnaires, quand vous allez arriver en Afrique... Oui, j'ai lu la lettre. La lettre est très choquante. Vous devez convaincre les Noirs. Un Africain qui lit ça, tu ne peux plus avoir la même vision, en fait. Vous devez convaincre les Noirs qui font pauvre par au ciel. Tous ont dépouillé. Et cet évangile, les chauffeurs de ces missionnaires, les manœuvres de ces missionnaires, les cuisiniers de ces missionnaires sont devenus pasteurs. Donc, ils ont hérité de leur église et de leur recommandation. Ils reçoivent un financement venant de la Belgique, de la France, de l'Angleterre et des États-Unis. Nous, on n'a pas ce financement. Donc, s'ils prêchent un évangile contraire à la recommandation du roi belge, on les excommunique. Donc, il y a les églises en Côte d'Ivoire dont les propriétaires ne sont pas des Ivoiriens, sont des étrangers. J'ai la liste, mais taisons. Maintenant, il y a les églises fondées par les Ivoiriens, les autochtones, ils sont propriétaires terriens. C'est sur les générales. Nous, là, on dit aux chrétiens, si vous ne vous levez pas pour aller travailler, quand vous attendez le retour du Seigneur, vos enfants vont mourir des pauvres, des misérables et des djandous. Il y a des gens depuis 2000 ans qui attendent le retour du monsieur. Il n'est pas encore venu. Salut ceux qui connaissent son jour. Salut ceux qui connaissent son jour. Ah, maintenant, je suis la terre. Il y a trois esprits qu'un pasteur ne peut pas chasser. Est-ce que toi tu sais ça? Qui ça? Trois esprits qu'un pasteur ne peut pas chasser. Lesquels? Toi tu sais ça? Je sais pas. Le loyer, la facture d'électricité qui est devenue très dangereuse et la facture d'eau. Si ces trois esprits se mettent en accord, ils disent pasteur, sors de la maison. Tu apprends tes bras, tu parles la langue, puis tu sors. Donc il faut Makoso pour vivre les esprits, pour montrer que dans ce pays-là, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, quand on le parle, la manière, la stratégie. C'est la manière et la stratégie à qui moi j'appelle la marmaille. Tu comprends? Avoir l'intelligence de créer ton business, de savoir convaincre des jeunes à les mettre dedans. Toi seul, tu connais ton rêve. Mais tu as la marmaille, tu as la manière. La marmaille, c'est la manière de les parler, de les chemiser pour que ces personnes puissent parce nous dans la, parce que nous qui avons grandi dans la rue, la marmaille, ça veut dire. Voilà. Ils ont déformé la chose. Un voleur, c'est un escroc. On n'est qu'à appeler escroc. Pour moi, la marmaille, c'est le mélange d'intelligence et de contre-intelligence qui fait sortir un rêve. David était un marmaillier, tu sais ça dans la Bible. Petit David, il est arrivé chez un roi. On a dit, ah voilà David qui a tué, comment il s'appelle, non? Goliath. Il dit, non. Il a commencé à se jouer le fou. Il laisse sa base sortir comme ça. On dit, mais le roi dit, mais comment on peut amener un fou? Oh, si David se jouait les durs, il n'y a pas deux rois dans une communauté, ils vont le tuer. Il a fait la marmaillier. C'est ça qu'il appelle la marmaillier. Quand Joseph est allé devant Pharaon,
Joseph n'était pas allé pour être libéré, il était allé pour interpréter le rêve. Mais qui t'a dit qu'on devait le nommer premier ministre? On ne devait pas le nommer premier ministre. Il y avait des ducs qui étaient autour des pharaons. Donc ils devaient interpréter, puis on enlève. Et puis les gars, ils prennent leur place. Mais l'opportunité, dis-lui, il ne laisse pas. Quand il a fini d'interpréter, il a levé sa main, il dit pharaon. Mais il faut que tu trouves quelqu'un d'intelligent, quoi. Pour gérer tout ça. Pharaon dit, qui je vais nommer? Que celui qui a interprété le rêve. Il a pris. Parce que le petit était intelligent. Jean. Voilà. La marmite pour moi, c'est la capacité de faire tourner sa tête pour manger. Quand une d'accord. Opportunité se présente. Voilà qui est bien dit. Voilà qui est bien dit. Bon. Tout à l'heure, tu disais que le pasteur Kodja Guy Vincent est un père à toi et tout. Ouais. Voilà. Moi, j'ai été choqué d'un propos qu'il a tenu. Mm-hmm. Voilà, de certains propos qu'il a tenus et ouais. Ça a été filmé et tout. Il a dit que les. Parce que là, j'attends la réponse que tu vas me donner. Voilà, il a dit en fait que les fidèles, eux, sont qui pour parler à Dieu. Mm-hmm. Qu'il faut que le fidèle vienne expliquer à son prophète, à son pasteur, à son père spirituel, et c'est le père spirituel qui donne la requête. Le nom de Kodja, tu n'as pas peur. Moi, j'ai peur de rien. Je pose la question. C'est toi, tu n'as peur de rien. Il faut dire merci à Jésus. Si c'était dans son avant RS là, tu sais comment ça se règle, non? Qu'est-ce qui se règle comment? Avant à faire des RS, quand il n'était pas pasteur. Mouvement des RS. Non, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je demande. Voilà. C'est qu'il a dit. Beaucoup de personnes aujourd'hui le critiquent. Parce qu'il est pasteur. Si c'était avant, au temps de John Pololo, ces gens d'affaires-là, ça se réglait autrement. Mais je vais te répondre. Mm-hmm. Voilà. Comment un pasteur peut tenir de. Mais il a dit quoi? De tels propos. Vous, que toi, tu es qui? Tu es qui pour parler à Dieu? Que c'est moi qui suis. Comment on appelle ça? Mandaté pour parler à Dieu pour toi. Les fidèles, on les appelle comment? Donc quelqu'un qui a. Les fidèles, on les appelle comment? Pour prier Dieu à la maison. Dis-moi d'abord, les fidèles, on les appelle comment? Les bébés. Donc c'est des moutons. Non mais le bébé c'est imagé. Non, le bébé c'est mouton, c'est pas mouton. C'est mouton. Oui c'est mouton. Mais, et puis il y a le berger. Celui qui t'a coco, passe ici pour manger. Ok. On prend une prédication d'une heure à deux heures. On coupe dans la prédication au moins une minute. C'est méchant. Quelqu'un t'a donné un exposé parlant de la grâce des pères. Bon, faut nous expliquer alors. Il c'est ton père spirituel qui est ta caution devant Dieu. Quand David s'en va tuer Goliath, le roi pose la question, il est le fils de qui? C'est ton père spirituel qui est ta référence devant Dieu. Timothée était le père des fils de qui? De Paul. Élisée était le fils de qui? De Élie. Quand on parle à Josué, Dieu n'a jamais appelé Josué mon serviteur. Il dit Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué, serviteur de Moïse. Or, Josué doit remplacer Moïse. Mais il appelle toujours Josué, serviteur de qui? Moïse. Donc l'homme de Dieu voulait simplement expliquer pour dire, il y a aujourd'hui des chrétiens qui sont devenus très mal élevés, qui viennent dans l'église de l'homme de Dieu, mais qui ne respectent pas son autorité, qui se disent, oh, le pasteur a parlé, moi aussi je peux parler, le pasteur a prié, moi aussi je peux prier, le pasteur a profité, moi il n'y a pas besoin d'un pasteur pour profiter sur ma vie, moi je peux profiter sur ma vie, tu es qui? Donc reste chez toi à la maison, va créer ton église. Quel est ce comportement mal élevé? Donc il voulait un peu décrier le comportement. C'est pour ça qu'il a même dit, mais toi, mais tu es qui? En vérité, là, quand un pasteur te gagne, tu étais qui avant? Tu étais malheureux, rempli de problèmes que les sociaux voulaient tuer. Tu es venu le voir à genoux, pasteur, ma vie est gâchée. Il t'a pris, il t'a lavé, enlevé tous les cacas de ton cul. Maintenant, tu as commencé à réussir, tu as commencé à toucher un peu les gens. Tu te viens dans l'église, tu croises tes pieds. Je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit, mais tu es qui? Tu sors de toi-même. Ça fait d'alléluia même. D'abord, même chez ma grosse, mais il n'y a pas tout ça même. Parce que toi tu gifles les gens. Non, chez moi, il n'y a pas ça, ça n'existe même pas. Frappe les gens, non, il y a tout ça, il n'y en a pas. Voilà. Et le diable qui devient diable. Je suis l'homme de Dieu. Donc tu es le seul. Chez moi, il n'y a pas de rébellion ici. La rébellion est sur moi. Tu commandes, il y a des filles qui disent toi, et puis tu vas te marcher à l'église, tu vas à la maison. Ta façon de t'habiller, ça m'énerve un peu. La dernière fois, tu es venu en taper, il te dit faut porter chaussures fermées pour venir. Tu reviens encore en taper. Oh, il sait que t'as chaussures fermées. Quand un gars te drague, c'est comme ça que tu t'habilles pour partir. Pour vous habiller comme venir, mais à l'église, bon, c'est vite, je vais plus. Il y a beaucoup de gars, ça l'aide de Dieu pour partir à l'église. Je ne suis pas un pasteur qui cherche des fidèles. Voilà, c'est bien comme ça. D'accord. Donc voilà qui est bien expliqué. Donc Makoso a dit que monsieur Guy Vincent. L'archevêque, voilà, monsieur, s'il vous plaît. Mais c'est un monsieur avant tout. L'archevêque. C'est un monsieur. Donc là, tu vas gâter l'émission. Ah bon? Oui! Là, tu es tombé sur moi. Dis l'archevêque. L'archevêque. Voilà. Makoso, yeah. Ah, vraiment, tu es le meilleur. Alors, pourquoi est-ce que tu as fourré ton nez dans l'histoire de la femme battue? Bon,
ça concerne un monsieur qui est très respectable de ce pays. Quelqu'un respectable. Mais vraiment, pourquoi ouais, mais vous êtes hypocrite comme ça même? Oui, mais c'est un champion. Quelqu'un qui est payé par le contribuable de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas respectable, c'est notre manœuvre. C'est le peuple qui le paye. Il n'y a pas quelqu'un qui est respectable ici. Même le ministre, quelqu'un qui travaille pour le peuple, on l'appelle ministre, serviteur. Donc le président de la République n'est pas respectable, c'est manœuvre. Non, le président de la République est le premier manœuvre des Ivoiriens. C'est le gérant de notre guerre. Mais comme on lui a donné le trône, on doit lui donner le respect dû au trône parce que le trône était fétiche. Mais après lui, là, tous ceux qui sont en bas là, c'est nos manœuvres. Ils doivent penser ici, ils doivent se comporter ici. Ils mangent grâce à l'argent du pays. Et c'est nos impôts qui les payent. La femme m'a un peu choqué parce que c'est une femme qui pleure. Et ma mère était une femme beaucoup battue par mon père. Tu comprenais? Et j'ai hérité aussi de la violence de mon père dans les différentes relations amoureuses que j'ai eues. Tu as battu des femmes aussi. Et il les frappait bien même. Mais est-ce que c'est en pas tant que bien. Est-ce que tu, voilà, maintenant je crois que tu as voilà, je me réponds, j'ai changé, voilà. D'accord. C'est pour ça que l'esprit était revenu quand il était au Cameroun et puis ouais, il fait la fille. Oui, bon. Ça on l'avait déjà parlé, ça pourquoi voilà. Tu pas non, l'esprit souvent va revenir mais il faut savoir doser. Maintenant la femme elle sort d'un mouvement comme ça, il y a même pas à manger. Le mouvement est bizarre. Les gens me disent non, elle n'a pas tout dit. Peu importe, quelqu'un qui a fait 26 ans avec toi, 5 enfants. Tu es un cas, faut tuer l'affaire. Il y a une façon de tuer les affaires. Ils n'ont même pas les filles de Marmaï. Oh, vous savez que tous nos gars, ils sont des petites, qu'ils gèrent. Pour te voir à la mosquée, mais on ne parle pas du péché. On dit faut tuer l'affaire. Comment on tue ces affaires? Tu appelles la famille, tu donnes voilà pour toi. Ma femme, laisse tomber l'affaire. Voilà, on n'est pas obligé d'être ensemble. Mais voilà ton magasin. La femme, elle ne demandait rien. Elle ne veut pas l'argent. Mais son magasin, là, qu'il est venu fermer là. C'est ça qui a tué. Donc, comment c'est le magasin? Ma chérie, tiens la clé de ton magasin. Vraiment, je pense que tout ce qui est en famille reste en famille. C'est ça qui m'a touché. Parce que celle qui m'a amené la vidéo est la secrétaire d'un ministre important de ce pays. Elle m'a dit, Makoso, écoute, je connais bien la famille et l'affaire. Donc c'est une autorité crédible. Elle dit, bon, sans accuser le monsieur. Parce que l'accusé, ce serait entre femme et homme. Là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des femmes, tu vois, elles sont bien détenues. Elle est bien à la maison. Elle est bien pour les autres. Mais quand tu lui dis, fais. Mais c'est le contraire. Elle fait des misères à son mari. Fait des misères. Il y a des femmes qui sont comme ceci. Oh, je ne sais pas que c'est le cas de cette dame. Donc soit entre un homme et une femme. Là, on ne rentre pas au milieu. On rentre pas au milieu. Les deux savent ce qui s'est passé. Mais pour le côté social, une femme qui pleure devant le monde entier. Je me suis dit, il fallait qu'on en parle. On a parlé. Aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Voilà, le monsieur et la dame se sont revus à la gendarmerie. Mon souhait, c'est que vraiment, même s'il ne veut pas rester avec elle, vraiment qu'elle a quelque chose à manger. Voilà, nous, on a fait le geste qu'on pouvait faire. C'est le cœur. Voilà, vraiment. Ouais, c'est pas mais quand fou. Des gens viennent insulter la femme, je vois des femmes qui sortent, qui viennent insulter la femme. Moi, pour moi, les anciens Djendjou, là, nous cassaient un peu. Les anciens Djendjou veulent parler dans le pays, là. C'est pas comment. Après, tu sais, enlever ton caleçon, qu'ils avaient dit que tu as une autorité. Couche avec une autorité, ça veut dire que tu as une autorité, ça veut dire que tu as une Djendjou. Tu ouais. Couches avec une autorité, tu es une Djendjou. Voilà, tu n'es pas une autorité. Mais normalement, toi, tu es censé sauver ces personnes-là. Ça dit que si tu sais que. Est-ce qu'elle veut les sauver? Donc, elle veut vraiment que je les sauve. Moi, il a dit la vérité. Je dis la vérité quand je veux, comme je veux et où je veux, sans peur. Parce que je veux mourir pour la vérité. Moi, mais quand Dieu m'appelle, il dit un jour, je veux qu'on me tue. Comme le Martin Luther King, le révérend Makoso, assassiné pour avoir dit la vérité. J'entre dans l'histoire. Ah, c'est ce que tu veux. Mais bien sûr, c'est ce que je veux. D'accord, donc tu entends toujours la vérité. Donc, même que je suis devant les ministres d'État, tu as lancé l'appel à tes ennemis, les gens qui veulent ta mort. Non, mais une occasion, ça partit de l'âge de 120 ans. C'est pas maintenant. Je n'ai pas encore une jet privée. C'est pas maintenant. Tu amènes la mort vraiment, l'esprit de mort va retourner vers toi. Voilà, j'ai encore des ministres d'État dans ce pays, j'ai des bonnes relations. Mais Makoso, voilà, là je regarde ton annulaire. Voilà, je vois que tu as l'alliance. Parce que depuis notre dernière rencontre, apparemment, ce que j'ai dit là, ça a éveillé ta conscience. Non, ça n'a rien éveillé. Je t'avais dit la dernière fois que je ne la retrouvais pas. Parce qu'il y a des gens qui portent l'alliance. Non, tu ne la retrouvais pas parce que comme tu cherches beaucoup les jeunes filles, donc souvent tu caches ton alliance et tout. On peut accuser Makoso de tout. Makoso là, on peut m'accuser. Makoso aime l'argent. Même ceux qui t'accusent, quand tu vas faire des familles, oh Makoso, il aime tellement l'argent, tu vois, Makoso, il donne. Dis, mais vois-moi pas les offrandes du Seigneur. Allez partager avec une petite fille parce qu'il enlève ton caleçon. Dans ton pétou, là, il y a un climatiseur ou bien il y a quoi dedans qui est supérieur par rapport à ma femme. Quand tu vois ma femme, tu ne vas pas faire embêter. Quel match qu'on peut voir ces fesses-là, ça me fait toujours bander. Donc, pour le moment, il s'y collait elle. D'accord. Les petites filles qui viennent. Donc, ne lui fais pas de fidélité, hein, tu cherches pas. J'ai déjà fait des infidélités à ma femme, j'étais ici. Mais il paraît que tu continues. Moi-même, Camille Makoso. Ouais. Il paraît. Ouais, il paraît.
un monsieur sérieux comme vous vous dites. Non, mais j'ai appris. Vous pouvez prendre le soin de donner votre la source de votre information. Mais on voulait prêcher le faux pour avoir le vrai. Tu veux me mamailler, le père de la mamaille. Moi, je suis ton plateau, tu veux me systémer. Non, je pense que dans le temps passé, il a commis beaucoup d'erreurs en 2007, 2008, 2009. Mais tu étais déjà pasteur en ce moment, non? Quand j'avais tu faisais ça. Je t'explique, quand j'ai commencé à faire les affaires de voyage et les affaires de microfinance, j'avais un peu stoppé le ministère. Quand on m'invitait, je prêchais plus, tout. D'accord. Parce qu'il y avait l'argent. Et Dieu m'a frappé. Parce qu'il m'a dit, ma fille que j'ai mis auprès de toi, ce n'est pas sa récompense. Vous n'étiez rien. C'est pour ça qu'il voyait un homme qui n'était rien, qui est devenu quelqu'un, qui abandonne sa femme, ça me fait mal. J'étais rien. Et j'ai commencé à avoir les pitiés. J'ai même fait un fond ou deux avec un petit film métisse. Oui. Ma cousine est une femme claire. Naturelle, quoi. Voilà. Ah, le Marcos, il est jeune, ça me plaît, parce que. Mais je suis, je me mets la vérité. J'aimais bien ça. Oh, depuis que tu m'as frappé, je suis allé en prison. Quand j'ai fait mes 15 mois en prison, où étaient les petites filles? Qui est venu me rendre visite? Qui a amené les sachets bleus? C'est ma pauvre femme qui s'est décacassée. C'est elle qui t'apportait des oranges, comme on dit. C'est elle qui m'apportait les oranges, c'est elle qui s'occupait de moi. Le pauvre prisonnier, un homme de douleur abandonné à la souffrance. Personne, toutes les petites filles sont cherchées. Tu vois, ils ont tapé les calissons pour son vent. C'est maintenant que ça commence à sentir bon, d'aller recommettre les mêmes erreurs, jamais. D'accord. Maintenant, là, le jet, c'est pour mes enfants. Je construis une maison, c'est pour mes enfants. J'ai 10 francs, c'est pour mes enfants. Je paie des les veuves, les orphelins, même mes enfants d'abord. D'accord. D'accord. Mais à propos de tes enfants, est-ce que tes enfants regardent souvent tes vidéos directes et tout ça? Bon, parce que souvent. Bon, d'abord, j'ai les interdits d'avoir Facebook. D'accord. Parce que souvent, tu as des propos un peu choquants. Ouais. Donc, j'ai essayé d'avoir Facebook, de ne pas regarder les choses comme c'est autre. Et puis, j'essaie de les chercher. Enfin, elles me connaissent. Elles savent qu'il y a deux personnages. Il y a l'acteur, Makoso. Par exemple, je suis un acteur. On est dans un truc, il faut donner du punch à l'émission. Je suis un acteur. Maintenant, il y a le père qui est à la maison, qui ne badine pas avec les études autres. Donc, elles savent quand papa est en train de faire comédie, quand père est sérieux, tout ça fait le jonglage et autres. Donc, puis elles sont beaucoup aussi, quand il y a souvent un problème sur les réseaux sociaux autres, il y a souvent les temps de l'eau beauté qui les appellent, puis elles disent non, calmez-vous, toutes elles sont beaucoup attachées aussi à elles. Quoi. Ouais. Elle, on va parler d'elle tout à l'heure. Mais est-ce, pourquoi, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne suis pas bien informé, mais j'ai jamais vu une vidéo de quelqu'un ou bien une publication de quelqu'un sur Facebook ou sur Twitter ou tout, qui a dit, bon, moi j'avais tel souci. Voilà, depuis que je fréquente Makoso, vraiment, grâce à Makoso aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Voilà, la publication que je fais comme un témoignage que je rends en fait. Mais on venait insulter la personne. On venait insulter la personne, voici un imbécile qui m'a causé à remis de l'argent, venir faire une vidéo. C'est l'homme noir. Est-ce que c'est pas parce que ça n'a jamais été le cas? C'est pas parce que quand vous venez sur ma page Facebook, vous avez des centaines et des centaines. Il y a des moments où j'ai fait des séries de 3 heures. Il y a des moments où j'ouvre le téléphone, puis je demande aux gens d'appeler pour rendre les témoignages. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que ça peut se manipuler. Je peux payer des gens pour le faire et autres. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, on n'est qu'à venir apporter une preuve que Marco soit fait un genou fou. C'est ça qui est plus facile. Une femme est venue dire, je connais votre pasteur Makoso là. Hier, on était ensemble, il m'a tapé. Voilà les photos, voilà. Voilà les photos, ça c'est plus facile. Mais tant qu'il n'y a pas ça, le rêve, pas parler trop de toi. Pas qu'on parle de toi, laisse qu'on parle de Dieu. Voilà, même quand les gens viennent à mes programmes où il n'y a pas d'offrande, parce que aussi, il y a les vérités que les gens disent pas. Mais convention, il n'y a pas d'offrande. Hein. La plupart de mes conventions que j'organise à Paris, j'ai jamais dit, venez faire des offrandes. Jamais. Ça nous coûte 45 à 50 000 euros. Mais on ne fait pas d'offrande. J'aime qu'on regarde Dieu. Moi, je suis rien, je suis un ancien bandit, je suis un voleur, je suis tout ce qu'on peut dire. Tu es un voleur. Je me fais conduire, je fais une façon de parler. Je suis un ancien voleur. Souvent, je suis un pêcheur. Tu dis la vérité souvent, quoi. Non. Tu es un voleur. Je parle de ce que les gens ont dit. Marco, c'est un bandit, je l'accepte, je prends tout. Mais il y a un seul qui est bon, il s'appelle Jésus. Lui, là, il ne nous a rien fait. Je préfère que les gens me détestent, mais qu'ils aiment Dieu. Voilà. L'amour des hommes ne m'amènera pas quelque part. Plus on t'aime long, vite, quand tu meurs vite, c'est pas ça. C'est vrai. On t'aime, tu meurs vite. Il y a des vieux sur le quartier. Lui, là, c'est un vieux sorcier, mais il est là. À force de l'accuser, il est là toujours. Je préfère être. On dit la magie, tout le monde, il est resté. Je préfère rester. D'accord. À propos de ta petite soeur, elle est beaucoup. Bon, toi qui es pasteur, qui es homme de Dieu, qui est là pour éveiller les consciences et tout. Ouais, vous aimez ça. Pourquoi est-ce que tu ne la ramènes pas à l'ordre? Parce qu'elle fait des vidéos trop grossières alors qu'elle est mariée, elle vient d'accoucher il n'y a même pas longtemps. Tu vois. D'abord, est-ce que le grand frère ne dit pas sa petite soeur? Je te confirme que ma petite soeur est célibataire. Parce que le marmailleur qui est fait venir la marmailler, qui l'a fait croire qu'il était célibataire, on découvre plus tard qu'il était marié. Ah bon? Oui. Mais comment toi, Makoso, comment tu n'as pas pu voir ça? J'ai vu ça dès le début. Comme toi, tu sais pas, j'ai vu ça dès le départ. Ma soeur ne me parlait plus. J'ai dit, quand je regarde la tête de ton gars, coup de détail, comme toi là, ils ont un don poussé dans la marmaille conjugale.
Donc tu as dit que je sais. Si tu veux faire la queue d'âme de tes testaploies, tes testicules vont dire beaucoup de choses qu'ils ont vues. Donc ça veut dire que tu as découvert que le gars c'est maman. C'est maman, il y a n'était pas. Je lui ai dit, vas-y, non, ma consultante n'est pas pour nous. Elle dit, je suis pas pour son bonheur. Et monsieur était. Après, ça s'est gâté. Ah, elle a accouché il n'y a pas longtemps là. Elle a accouché, c'est sorti sur les réseaux sociaux. Donc c'est l'enfant du monsieur et tout ça, hein. Parce qu'elle a dit que elle soutient les teasers, hein. Non, c'est une façon, elle est une actrice. C'est Lolo Beauté, c'est beaucoup une actrice. Elle fait ses trucs pour que c'est son, sa page marche. Donc elle soit même choquée. On parle de sexe, tout ça, on sait comment la personne. Normalement, ma cause doit donner des conseils, non. Non, mais on n'a pas dit, Joe, faut laisser ça. Chacun vit le monde individuellement. Chacun va rendre compte à Dieu. C'est pas mon rôle d'aller dans Lolo Beauté dans la affaire où elle mange. D'aller verser ça dans son article. Ces femmes aiment Lolo Beauté telle qu'elle est. Tu ne l'aimes pas. C'est comme Canal. Tu as ta télécommande, tu vois si il va téléca. Ça te plaît pas, tu zappes, mais tu vas rester bien, ça va te plaire. Tu vas sur une autre chaîne de musique, ça te plaît pas, tu vas sur. Tout chacun a sa chaîne. Mais il y a des gens qui vont sur sa chaîne pour aller l'insulter. Mais tu n'aimes pas, tu fais quoi là-bas? Lolo Beauté a pris une spécialité. Parler des choses vulgaires et autres. Elle a fait une vidéo où les gens qui ont les petites guillemettes. Comment frapper? Gauche, droite, gauche, droite. Mais il y a un monsieur qui a rendu un témoignage. Il a fait une vidéo de Lolo Beauté, tu as sauvé ma vie. Je partais toujours directement. Maintenant, depuis que je commence à faire ce que tu m'as frappé dit, dans les parois. Les parois, gloire soit rendue à Dieu. Il dit Dieu dans son mouvement. Tu vois, non? Donc, elle délivre aussi quelques foyers. Elle donne des conseils d'entrepreneuriat et autres. Sauf qu'elle va souvent trop loin. Je la récale. Je dis, pays, sœur, fais pas comme ça. Actuellement, je veux qu'elle se lance plus dans le domaine du coaching. Elle est très intelligente, la petite fille. Non, Lolo Beauté, elle est intelligente, hein? Depuis l'âge de 11 ans, la petite fille fait commerce. Seule. Bravo. C'est bravo une à elle. Tante. Bien, Fafa, bientôt avec elle. À partir de l'âge de 14 ans, elle commençait à endoucir. Quand les cas viennent, c'est elle qui faisait, comme on appelle ça, aller-retour d'une manière. Là. Puis les gens venaient payer à son âge. Elle avait sa caisse, tout. C'est une fille qui s'est mis une bataille, c'est chez l'argent. Donc son mouvement, là, elle sait comment frapper, puis que jeton sort dedans. C'est pas bon d'aller éteindre, puisqu'elle paye sa dîme de ma mère. Pourquoi voulez que ce soit contre son bonheur? Voilà, Mais pourquoi tu la laisses pas payer sa dîme ailleurs? Et puis toi, tu penses t'es à sérieux dire. Là, toi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Sérieux, mais bien sûr, oui, bien sûr, tu peux la laisser payer sa dîme ailleurs. Pourquoi forcément toi t'encaisses dans ta pédale? Non, parce qu'elle dit que je suis son vieux père, je suis son coach. Elle préfère venir payer la mamie. Elle paye le passage qui a venu prendre la main. Donc l'argent reste en famille. Non, c'est le cas resté d'abord ici. Il y a un père qui est là, qui a amené la part. Voilà. Faut pas amener l'argent de ma petite soeur ailleurs. Faut même pas voir si on dit demain. Je suis pas encore son famille. 1500 euros comme ça d'aller donner sa cliente. Pourquoi? Moi, mais j'aime pas le bonheur. Ça vient chez moi. Mais tu fais qu'il est pasteur. Mais lui, il aime quand c'est pour d'autres prières. Mais moi, je suis celui qui ouvre son esprit. Je l'appelle, je lui ai donné un secret. Elle a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Petit secret. Dans quelle affaire? Elle vend des produits. Oui, des, je sais, des je sais. Tout ça et autres. Donc, elle gagne 20 000 euros dans ça? Oui, elle gagne 20 000 euros dans ça. Ah bon? Elle gagne jetons dans sa main, la petite. Jetons. Elle a un bureau ici, elle a un bureau en France, elle a un bureau au Cameroun. Du coup, elle a encore un bureau au Gabon. Mais elle est assez intelligente. Comment elle a fait pour se faire marmailler, comme on dit? Comment elle a fait pour se faire. Non, c'est le cœur. Les histoires de cœur, tu sais, les femmes ont un don. Quand elle rencontre un homme bien, sérieux, il y a un groupe d'hommes, elle cherche toujours celui qui est le plus bandit. C'est en toutes les femmes. A bad boy. Et c'est en elle. Les hommes bien sérieux, je fais du sérieux avec toi. Maintenant, c'est qu'ils ont 60 ans, 50 ans, ils viennent emmerder les pasteurs, prier pour que je me marie. Je sais pas. Je sais pas. Comme nous, on est là pour ça, bon. Tu as fait l'offrande du mariage. D'accord. Et Makoso, qu'est-ce que tu dis? Comme tu parles de mariage, qu'est-ce que tu dis de des mariages qui se gâtent à l'église, hein? Tu regardes ta montre, je sais que voilà, tu as des rendez-vous. Il y a des mariages qui se gâtent à l'église. C'est-à-dire, c'est comme si à la base il n'y a pas eu quelque chose de concret en fait. Tu vois? Donc ils sont mariés et peu de temps après, voilà, c'est le divorce et c'est tout ça. Et les divorces même sont plus à l'église maintenant. Et c'est surtout chez vous les évangéliques là-bas qu'il y a beaucoup de divorces. Tu veux qu'elle te dise la vérité ou tu veux qu'elle te mente? Je veux la vérité. C'est parce que les gens qui vont à l'église ne savent pas mougou correctement leur femme. Fin de la réponse. Passons à autre chose. Parce que les gens qui vont à l'église ne savent pas mougou leur femme. Ça n'a pas fait l'amour. 80% des divorces dans l'église, ça vient de là. Je suis pasteur 20 ans. J'écoute les femmes. Elles ne sont pas satisfaites. Le monsieur est un idiot notoire. Il vient faire Alléluia, Amen. Il se donne même prier avant de faire ça. Quelle prière? Maintenant, sur une chaîne, tu défonces ça comme une petite salope. Il y a quoi? Les femmes aiment ça. T'as quoi venir faire tes conneries de Alléluia, Amen, t'as fait de ça? Je sais pas de quoi il parle. Mais la frappe!
Quand c'est là qu'on sait pas la langue, il bam, bam, elle est content. Un bandit comme ça, il s'en va, il est là. Merci Seigneur. Elle veut le tuer même. Mais hélas, Emile Foy est là. Parce que chez vous, vous ne laissez pas goûter la marchandise avant d'aller. C'est même peut-être pas ça que qu'on si... n'enseigne pas ça. Et quand Makoso vient parler, non, non, tu es vulgaire, tu es un pécheur, Makoso, c'est quoi, tu as dévié. Il faut me parler. L'éducation sexuelle, c'est un élément très important. Tu crois que c'est ma femme depuis 17 ans de mariage? Tu sais, c'est à cause de quoi? Ah, tu travailles bien, quoi. Elle me travaille bien. Et je la travaille bien. Quand on s'attrape comme ça, c'est un film. Si on tourne le film, on sait qu'on sera les meilleurs acteurs. C'est trop doux. Pour laisser ça comme ça, pourquoi? Mais ils sont spirituels, mais là-bas aussi ils sont spirituels. La femme aussi, elle est chrétienne jusqu'à même s'épiler, elle ne fait pas. Les choses techniques avec la bouche, elle ne fait pas. Et tout ça, c'est diable. Ah, les choses techniques, c'est quoi? C'est quoi les choses techniques avec la bouche? La pipe, mon ami. Sucer la queue de son homme correctement en laissant couler la salive et puis répondre à partir des testaplies. Les testicules, qui viennent du tout, on pas ça? Non, je ne connais pas. Ça peut expliquer ça, c'est bon! Ça permet un homme d'être détendu. Qu'elle est assise comme ça sur le fauteuil. Et puis la femme est à genoux. Et puis le... non, c'est tout bon. Mais tu parles de ça, dis non, ma cause t'a dévié. Donc, oh, la femme église, tu enseignes ça aux gens en fait. Tu enseignes ça à tes fidèles. J'explique son importance. Uh-huh. Mais à la chair, je n'ai pas pour le sein de le dire de cette façon. D'accord. C'est sur les réseaux sociaux que j'en parle. D'accord. Voilà, parce que la chair est sacrée. Uh-huh. Donc, il y a certaines vulgarités que tu vas dire derrière la chair. Mais quand je les reçois ici, vous parlez du coaching de mariage dans mon bureau ici là. Non, les femmes, elles serrent les jambes. Puis là, des fois, il y a une frappe seulement. Je vais lever d'avenir toi ta forme. Voilà ce que tu aimes. Vrai ou faux. Il te la dévoile par révélation. En fonction de ta forme, je connais les positions que tu aimes. Chaque femme a une position préférée. Tellement que tu as tellement que j'ai fait. Été dans ça. J'ai une expérience. Toi, mais tu sais de quoi je parle. Ah, comment voilà. Ça moi, je veux savoir. Quand tu as connu beaucoup de femmes, quand tu vois, tu connais. Tu connais. Parce que tu as connu une. Quand tu l'as pris dans ça, elle était contente. Donc, quand tu vois l'autre modèle qui s'est resté un peu, c'est la même chose. Voilà. D'accord, voilà qui est bien dit. Mesdames et messieurs, voilà, l'émission Fafa tire à sa fin. Je vais demander à Makoso voilà, de dire son mot de fin et puis on va y aller. Bon, à ceux qui ne m'aiment pas, d'abord j'aimerais m'adresser à eux. Continuez de ne pas m'aimer. Ne m'aimez pas, hein. Voilà. Comme votre haine va vous amener au paradis, là, continuez de détester les gens. Corps sur votre tête là-bas, bande d'enfoirés. Vous connaissez pas les gens, vous les jugez. À ceux qui m'aiment, c'est à vous que je m'adresse. Car dans la vie, chacun a son cas. Je parle à mon gang. Nous sommes à l'orée de 2020. Le verbe manger sera conjugué bien en 2020. Commencez à réfléchir. Commencez à mettre en place des structures. Si tu dis que tu es chômeur, va au village. Va trafiquer l'esprit de tous les villageois. Tu donnes 7 hectares. Va planter maïs. 3 mois plus tard, tu auras des milliards. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est pas le blanc qui viendra prendre ta main pour aller débroussailler ton champ. Chacun n'est qu'à chercher jeton. Quand tu as ton guerre auprès de toi, maintenant tu peux aller dans certaines batailles. Mais, et mille fois même, à tous les jeunes ivoiriens, ouvrons nos yeux. 2020, nous devons être capables de faire basculer les élections, soit positives, de façon positive. Et il faudra que nous puissions sortir des faux débats. Tu as soutenu quel candidat? Excusez-moi, mesdames et messieurs, je vais poser. Tu as soutenu quel candidat? Pour l'heure, j'aimerais être honnête avec toi. J'ai pas encore reçu de propositions concrètes. Non, mais tu ne soutiens pas un candidat parce qu'on te propose. Tu soutiens un candidat pour son programme. Personne n'a manifesté un programme. C'est ça, j'ai pas là. J'ai pas encore eu cette proposition de programme. J'attends de voir les programmes. Comme tu es jeune, tu pensais que tu allais soutenir quelqu'un. Il y a certains hommes politiques que j'apprécie énormément. Comme qui, par exemple? Un homme comme Charles Blé-Goudé. Qu'on me veuille ou pas, j'aime Charles Blé-Goudé. Au niveau du RHDP, que vous le voulez ou pas, il y a des personnes qui sont présidentielles, telles que le ministre Ahmed Bakayoko. Au niveau du PDC, il y a un homme comme il s'appelle Jean-Luc Billon que j'aime bien. Voilà. Pourquoi tu ne parles pas de l'ancien président de l'Assemblée nationale? C'est un jeune aussi. Je pensais que tu. Non. J'aimerais être clair là-dessus. Il a une philosophie que moi j'aime bien. Mais j'attends son programme. Voilà, j'attends son programme. Sinon, prendre 2 sacs de riz pour aller déposer là-bas. Attention, je n'ai pas fait ça. J'attends son programme. Moi, c'est le programme que j'attends. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que forcément, parce que j'ai été premier ministre, ou j'ai été tant, je dois être président. Non, hein. C'est le programme qui séduit le peuple. Et ce n'est pas le peuple qui travaille pour te donner un programme. C'est toi qui peux pas ton rêve, tu présentes ton rêve au peuple.
et le peuple s'élève pour aller, je peux le dire, prendre le soin de Teddy. Donc moi j'observe beaucoup. Je ne suis pas un suiveur, un homme de la mode. Et puis il n'y a pas un homme politique qui peut me corrompre financièrement parlant. Tu peux pas. Voilà. Il y a certains hommes politiques où je les gars, mais je ris. Mais dans le pays, on nous parle des bellas. Comme nous, on est des moutons, on est qu'à suivre les gens comme nous. On est souvent des gens comme des moutons. Hein. 2020, là, on veut voir clair dans le programme de chaque personne. Et quand il y a vu clair dans le programme, mais c'est un détecteur de marmaille. Dans le marmaillé, là, il y a un savoir qui veut marmailler. En 2020, je ne serai pas silencieux. Je vais m'engager. S'il y a un candidat qui m'a séduit, je m'engage. Séduit avec son programme, pas avec son agent. Hein. Bien sûr. Non, c'est pas question d'argent. Moi-même, on va lui donner la participation. Vous savez que pendant les élections municipales, il y a des candidats que nous avons soutenus financièrement. Je vous en prie, financièrement. À Bobo, nous avons soutenu le ministre Amba, pas financièrement. À Pogo, on a soutenu le ministre PDCI, un candidat PDCI, financièrement. Et il a gagné. Tous les candidats que j'ai soutenus ont gagné. Donc, maintenant, s'il n'y a personne capable de nous séduire, nous-mêmes, là, on va produire un candidat. C'est possible, hein. Les églises évangéliques peuvent séduire, puis on produit un candidat. Voilà. Mais, les 7 millions. Mais si on propose un autre candidat, pas toi, tu vas encore t'énerver. Non, 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 non. Je ne suis pas l'homme le plus intelligent. Je suis pas l'homme le plus intelligent. Diriger la Côte d'Ivoire, c'est... Attends, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de connaissances, ça demande beaucoup de diplomatie et autres. Il y a certains charismes et autres. Il y a des gens trop intelligents dans ce pays pour diriger ce pays. Vous me dites aujourd'hui, mais il y a des personnes qui ne font pas la politique. Vous prenez un monsieur comme Diago, il peut diriger la Côte d'Ivoire facilement, mais il ne fait pas la politique. Vous prenez un monsieur comme Tembe, diriger la Côte d'Ivoire facilement, mais il ne fait pas la politique. Il y a des hommes charismatiques dans ce pays. Charles de Gaulle peut diriger ce pays. Sauf qu'ici, il enlève son petit côté de contre les blancs, là, c'est fini. Tu ne peux pas lutter les blancs. Allons doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gens qui pensent que le monde est dans des rêves. Qu'on lutte contre les Français. 98 millions d'habitants. 5e puissance du monde. Tu es qui? Allons doucement. Le blanc, le marmaille. Il faut des esprits comme Makusso pour travailler le code des blancs. Voilà le gars de Rwanda, il est quitté dans la main des blancs. Aujourd'hui, son pays avance. Il y a un système. Les gens ne savent pas le système. Ils s'élèvent comme ça. Joe, maintenant, c'est pas maintenant si celui qui est là aussi veut se représenter, qui n'a qu'à nous dire ça de façon claire et quel est son projet de gouvernement. Si presque si c'est possible. Hein? Voilà. Non, on attend, on regarde sûrement. Mais en 2020, attends, ceux qui savent parler vont manger dans le pays là et vont s'imposer dans le pays. Voilà. Voilà qui est bien dit. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec le révérend général Camille Makusso. Mais il y a une dernière question pour toi. Oui. Tu penses que j'ai des chances quand même d'être candidat et puis d'influencer l'élection? Oh, c'est moi qui pose la question. Imagine un débat de 2 heures à la télé, Makusso face à la nation. Ça va dépendre de qui vont te mettre en face, en fait. Non, actuellement, je ne vois pas qui. Il y a le dossier de tout le monde. Il y a certains, ils étaient rien. Maintenant, ils sont devenus ministres. Leur vente a poussé. Donc, il a fait sortir sa photo de quand il n'était rien. Et sa photo maintenant quand il est ministre. Il va nous expliquer l'abondance à ses quittés. Mais c'est le salaire. Ah, venant de qui? Du peuple. Donc il n'est qu'à dire merci au peuple. Donc ils sont moins arrogants. Ouais, c'est pas faux. Il y a trop de techniques pour casser quelqu'un. Je suis un expert dans ça. Mais je pense que mes ambitions ne vont pas là-bas d'abord. Mm-hmm. Mes ambitions, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis jouer le rôle du défenseur des sans voix. Voilà. Sinon, dans le pays là, il y a quelqu'un qui est dans mon cœur. Mais j'attends celui qui dit je me présente. Moi je retire. Je lève mon pied. On peut accélérer maintenant pour lui. Il y a un que je vois. Non, tu n'as pas dit son nom pour l'instant. Non. Il y a un que moi je vois. Si on lui donne le pays, là, il paie. Mais est-ce que c'est son temps? Ça dépend. Est-ce que les vieillards veulent laisser le mouvement? Si les vieux ne veulent pas laisser le mouvement, il ne faut pas les petits vont rentrer dedans. Voilà. Si les vieux ne veulent pas laisser le mouvement, on n'est qu'à les laisser se battre. Elle n'est qu'à point, puis tous sont qu'à mourir en même temps. Mais c'est la fin. Attends, tout ça pour ça, comme vous le dire, est-ce qu'il y a comme ils vont rentrer au paradis? Actuellement, c'est les fins. Ils touchent maintenant vieux. Dans 5 ans, 10 ans, soit 80, 85 ans. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui veut être candidat dans ce pays-là. Moi, pour le soutenir, j'ai dit faut courir pendant faut courir 100 mètres. D'accord. Quelqu'un veut être candidat, cours 100 mètres, je vais voir si tu peux atteindre. Comme ça, tu pourras bien gérer tout ce qui est stress. Mais en fait, tu ne peux pas courir 100 mètres. En te donnant pénalité, tu fais quoi? Prostate a déjà tué. D'accord. Il faut courir 100 mètres. Il faut courir un peu 100 mètres. Tu cours et on te regarde. Mais apparemment, tu ne veux pas que l'émission finisse. Parce que tu as évoqué un nom tout à l'heure. Je ne voulais pas te poser des questions dessus, mais tu as évoqué le nom que tu demandes. C'était toi, non? Non, tu as parlé d'Eskeli. Eskeli et toi, vous avez eu un clash. Oh. Hein? Eskeli et toi, vous avez eu un clash. Hein? Ne mettez jamais en guerre un lion face à l'abouti. Donc, Eskeli, c'est un abouti? Ouais. Moi, je suis un lion. Tu n'as pas comparé. Comparaison n'est pas raison. C'est un petit que j'aime bien. Mais ça m'a mal fait des CE et là, ça ne m'a pas plu. Tu ne veux pas attaquer la CE, il vient te donner t-shirt et puis tu changes de langage. C'est foutaise. Ça, je suis d'accord avec toi. Et toi-même, tu n'es pas même pas au sérieux. Et quand tu portes t-shirt de CIE pour faire vidéo, tu as dit que tu es foutu des Ivoiriens. Mais le plus grand voleur de ce pays, c'est la CIE. Comme j'ai un nouveau directeur, on prie Dieu, que Dieu touche son cœur. Pour que vous revoyez beaucoup de choses.
En 2020, j'attends le candidat qui a venu dire j'ai su élu, facture des CE ont diminué 25%. Joe, tous les Ivoiriens vont le voter. On va tous le voter. Aïe, j'ai su élu, prix des carburants, 25% dans le. La CE nous fait souffrir encore. Non, oh, et puis je ne veux pas qu'on parle de ça, non, on est quand même hypocrite. Enfin, on paye, je te paye, je ne serai pas hypocrite. Il a dit que tu es un voleur. Voilà. Moi, je suis tout envoyé, il vient, c'est les factures de 95 000 francs. Pourquoi? Toi, tu n'es jamais là. Je ne suis jamais là. Mais je paye quand même. Mais il y a des gens à la maison quand même. Donc, j'ai mes appartements privés. Hein. J'ai mes appartements, il n'y a personne qui va passer, moi, ma femme. Je ne veux pas en bruit, l'enfant, pour que le verbe 1-1 soit bien fait. Bon, c'est bon. Ok, mesdames et messieurs, on est avec monsieur Camille Makoso, le révérend général de Dieu Camille Makoso. Voilà, pour un entretien Fafa et tout. Franchement, ça s'est très bien passé. Sachez que désormais, Fafa a sa page officielle. Vous partez sur Facebook. Vous tapez Fafa officiel, la page est là, vous donnez vos questions, vous donnez vos suggestions. Si vous voulez qu'on reçoive certains invités, vous nous écrivez tranquillement. Vous aviez celui qu'on appelle Soko Soko et William Santiago à la caméra, Yao Denis à la post-production, Roland Lebekis réalise cette émission. Voilà, dédicace à M. Zoumana Bakayoko et Mamouna. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous offrez à tous ces artistes de Côte d'Ivoire de briller sur cette chaîne Ivoire TV Musique. Merci beaucoup, on est ensemble. C'était le dernier dans Fafa avec le général Camille Makoso qui m'a promis une enveloppe tout à l'heure. Merci, let's go.